Monsieur Mohamed Berkouk, bonjour. Bonjour madame. Alors la 31e session du sommet de la Ligue arabe présidée par l'Algérie, c'est le 4e sommet qu'abrite l'Algérie de 73 à ce jour. À chaque, bien sûr, sommet, il y a eu des avancées qui ont été relevées. Cette fois-ci, c'est le sommet de la réunification des rangs arabes. L'objectif sera atteint, monsieur Mohamed Berkouk. On est déjà là, avec 21 pays sur 28 qui sont présents. Et il faut dire aussi que il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce sommet, notamment par rapport à la question centrale, la question palestinienne, et surtout par rapport à une volonté de renouveler les priorités de cette ligue. On voit aujourd'hui au-delà des crises, au-delà des questions traditionnelles, il y a cette nouvelle donne, c'est une priorité qui est donnée à l'utilité de la Ligue arabe, c'est-à-dire aux intérêts communs, à cet esprit de communauté d'intérêts qu'on veut construire par l'économie, par l'élargissement du champ de la sécurité collective. Alors, au-delà des crises mondiales que traverse actuellement l'humanité, il y a nécessité de convergence de points de vue pour, bien sûr, préserver les intérêts des pays et des nations arabes. Malheureusement, quand on fait une lecture objective du contexte arabe, il faut dire qu'il y a beaucoup de fractures, mais il y a aussi beaucoup de crises liées notamment à la déchéance des États, avec ces trois situations crisogènes, la Syrie, la Libye, l'UML, mais aussi avec des fragilisations et des fragilités chroniques, le Liban, l'Irak, le Soudan notamment, fragilités économiques en Tunisie, mais on voit aussi de plus en plus de présence étrangère, soit par des bases militaires ou par de ce qu'on appelle des statuts d'alliés principales non membres de l'OTAN. Sur les 17 pays qui ont ce statut pour les États-Unis, 7 sont des pays arabes, ce qui veut dire qu'il y a dans ce sens aussi des fragilisations de quelques souverainetés et de quelques indépendances décisionnelles de quelques États. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec le contexte, que les pays arabes vont devoir dépasser leurs divergences pour l'intérêt collectif de la nation arabe? Ce qui manquait à la Ligue arabe, c'est l'action définie dans un sens commun d'intérêt. Ce qu'on appelle en relation internationale une communauté d'intérêt que les Arabes n'ont pas encore pu développer. On est plutôt dans les rhétoriques, puis dans les polémiques, des discours et sans conclusion. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté de créer une nouvelle logique, disons, de travail en commun dans un cadre d'institution des équipes de la Ligue arabe, justement pour faire face à des mutations profondes que connaît le monde qui impacteraient nécessairement notre région. On est dans une région reconnue comme étant stratégique par toutes les puissances actuelles émergentes. Pour les États-Unis, on est un corridor stratégique, donc à vocation militaire. Pour l'Union européenne, on est une extension utilitaire, donc c'est l'économie, plutôt aussi l'influence. Pour la Chine, on est presque une passerelle commerciale et économique dans cette route de la soie. Pour la Russie, c'est une zone d'influence, notamment sur le plan naval. Mais il faut dire qu'en ce qui nous concerne, on est dans une situation où on doit créer des ruptures avec les anciennes pratiques, mais aussi créer de nouvelles logiques, de nouvelles rationalisations par rapport justement à ce que pourraient unir ces pays arabes. On parle plutôt d'interdépendance qu'on doit avoir. À vous donner juste quelques chiffres, Madame Souhila. On constitue 5% de la démographie mondiale, on ne participe que par 2,5% dans la production alimentaire mondiale. Donc il y a un gap très important. Sur le plan de cette interdépendance, entre guillemets, commerciale, les échanges commerciaux interarabes sont inférieurs à 8%. On a vu dans ces réunions préparatoires des statistiques qui sont données, qui ne sont pas convergentes, entre 5 et 6% d'un côté, 10% de l'autre, mais la moyenne, c'est à moins de 8%, ce qui veut dire qu'on est plutôt dépendant des partenaires étrangers à cette zone. Mais il faut dire aussi, Madame Souhila, qu'on est en face de situations où il y a aussi beaucoup de divergences.
notamment par rapport au modus operandi en ce qui concerne la construction de la paix dans la région, notamment par rapport à l'initiative arabe de paix de 2002. Mais justement, par rapport à ce que vous déclariez à l'instant, M. Mohamed Berkouk, il y a cette nouvelle logique de travail qui est introduite aujourd'hui par l'Algérie, qui a été l'initiatrice de la réforme de la Ligue arabe en 2005, des réformes qui sont aussi, cette fois-ci, reconduite dans certains de leurs aspects. L'ambassadeur de l'Algérie, M. Chbira, a déclaré qu'il y a consensus sur quasiment tout l'ordre du jour, mais il y a toutefois quelques divergences, des divergences qui favorisent aussi l'échange et le débat. Est-ce qu'on peut considérer que ces points de divergence pourraient dominer, ou alors c'est la logique et bien sûr la sérénité qu'on doit faire prévaloir les dirigeants du monde arabe qui vont se réunir à partir de mardi à Alger? C'est la logique des sommets, madame. Donc il y a déjà deux étapes dans la formulation, l'élaboration de l'ordre du jour, puis la formulation du projet de déclaration. Donc, c'est deux étapes, c'est deux niveaux de négociation, en quelque sorte. Au niveau des délégués, mais au niveau des ministres des Affaires étrangères, c'est pour qu'il y ait justement une plateforme de consensus qui serait adoptée par les chefs d'État. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a certainement beaucoup de convergence, notamment en ce qui concerne les questions économiques. Ce besoin de tous les pays pour plus de sécurité alimentaire, avec des pays qui sont pratiquement à plus de 60% de dépendance céréalière par rapport à deux acteurs, par rapport à deux fournisseurs, l'Ukraine et la Russie. Donc il y a des vulnérabilités qu'on doit prendre en charge, pas justement par cette logique, disons, de convergence de points de vue, que j'espère serait transformé en stratégie. Parce que même en 2005, il y avait des discussions autour d'une stratégie alimentaire du monde arabe. 2030, on l'a vu adopter à Riyad en 2007, mais 2007 à 2022, on est toujours dans ce schéma de dépendance chronique, pathologique par rapport aux partenaires étrangers. Convergence aussi, c'est par rapport à la question palestinienne. On a vu dans ce sommet, comme dans le sommet de 1973, celui de l'Ixav de 1988, en 2005, tout l'Algérie toujours donné une priorité aussi stratégique à la question palestinienne, mais aujourd'hui, on a une nouvelle plateforme. C'est la unification des 14 factions palestiniennes autour d'un, non pas seulement d'une déclaration, mais d'une feuille de route à sens opérationnel, avec neuf éléments et avec des mécanismes de suivi. Un de ces mécanismes, le mécanisme arabe, fera certainement partie de la déclaration d'Alger du 2 novembre prochain, en ce qui concerne les membres qui composaient ce comité qui présidait l'Algérie. Et on voit aussi, très certainement aussi par rapport à la question palestinienne, d'autres initiatives. On soutient à la cause palestinienne, notamment en matière de construction des capacités et d'aide financière à l'autorité palestinienne. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui durant ce sommet, puisqu'on y était, la réunification palestinienne fait aujourd'hui l'unanimité. Alors, la réunification des factions palestiniennes est essentielle aujourd'hui pour rétablir la paix au niveau de cette région, celle du Moyen-Orient, qui est fortement agitée par des bouleversements géopolitiques et à la fois des conflits entre différentes nations. Absolument. Donc, pour ce qui concerne la question palestinienne, le dossier palestinien est malheureusement bloqué depuis très longtemps. À vous donner juste une analyse quantitative comparative. Pour la question palestinienne, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pu produire qu'une seule résolution en 13 ans. 2009 à 2022, une seule résolution datant de 2016 sur les colonies plutôt israéliennes que le monde n'a pas pu exécuter. En ce qui concerne l'Irak, 13 ans aussi, 1990-2003, c'était 23 résolutions du Conseil de sécurité, dont quelques-unes qui étaient sous le chapitre 7, donc avec des sanctions. Aujourd'hui, la question palestinienne aussi traverse beaucoup de turbulences, notamment en ce qui concerne les divergences de points de vue, mais aussi de stratégie d'action. Espérons que les 9 points que constitue sa déclaration soient appliqués à la lettre, parce qu'il y a aussi dans ce sens une volonté de créer des partenaires politiques nouveaux, mais aussi de converger sur les opinions. En ce qui concerne la région, madame, il faut dire que le plan de paix arabe
à mon sens, n'a plus véritablement d'avenir, parce que elle a été construite en 2002 dans le but justement de créer un climat de pacification de toute une région. Aujourd'hui, on voit trois ensembles de facteurs qui ont fragilisé. Le premier ensemble de facteurs est lié notamment à l'antisioniste qui n'a pas respecté la logique de la terre pour la paix. On essaie de créer des bons tout ce temps en Cisjordanie, de se désengager et de faire un blocus à Gaza. On a vu aussi ce mur de la séparation. Et puis, c'est très important de le dire, ce refus de l'antisioniste de s'engager véritablement dans un processus de résolution de ce conflit. Alors, M. Mohamed Barkour, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions qui sont bien sûr d'actualité par rapport bien sûr à la tenue de ce sommet de la Ligue arabe qui se tient à Alger, qui assurera sa présidence tournante. Il y a également bien sûr ce sommet qui va s'ouvrir au niveau des chefs d'État mardi et mercredi prochain. Hier, c'était bien sûr les ministres des Affaires étrangères. Alors l'accord inter-palestinien, il est qualifié aujourd'hui d'historique, il fait l'unanimité par les différents participants. Certains disent qu'on n'a pas vu Fatah et Hamas se serrer la main depuis maintenant de longues années. Est-ce que il y aura bien sûr un mécanisme de suivi pour l'application de cet accord sur le terrain, bien sûr toujours présidé par l'Algérie. C'est un accord que l'Algérie a pu bien sûr décrocher grâce aux efforts de notre diplomatie, puisque nous savons déjà que 73, il y a eu bien sûr l'intégration de la Palestine comme État membre de la Ligue arabe. Et c'était l'initiative de l'Algérie, oui. En 73. Donc il faut dire, madame, que cette déclaration d'Alger, qui est aussi une feuille de route, a été le fruit d'une approche patiente, diligente, innovatrice. Oui, mois de travail. C'est 54 réunions à Alger, plusieurs visites à l'étranger, de consultation et de coordination. Donc c'est un travail qui a été très méthodique, qui a eu, qui a produit une feuille de route qui est totalement différente des accords de Doha de 2007, de la MAC de 2007, de Doha de 2012 et du cadre de 2017. Il y a un consensus surtout d'un certain nombre de points. Déjà, pour dépasser, il faut qu'il y ait un dialogue. Partenariat politique, c'est un concept préconisé par ce texte. Deuxièmement, c'est aussi la reconnaissance de l'OLP comme étant l'organisation qui représente d'une manière légitime les Palestiniens. Troisième point, c'est le choix démocratique, donc les élections du Conseil national palestinien, qui est l'organe central de l'OLP. C'est cet organe qui oriente les actions de l'autorité palestinienne, mais aussi de toutes les factions. Deuxièmement, c'est le renouvellement des institutions, le Conseil législatif et le gouvernement de l'Union nationale. Aujourd'hui, il y a des délais, c'est une année, mais aussi deux instruments de suivi. Un interpalestinien, c'est les comités de coordination des secrétaires généraux des factions, ce qui est très important. Et le deuxième, c'est un comité de suivi arabe, présidé par l'Algérie, avec d'autres pays qui seraient membres de ce comité, très certainement l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, d'autres pays. Donc c'est pour dire... Ça va être discuté au niveau des chefs d'État. Ça va être proposé très certainement par les ministres des Affaires étrangères pour adoption éventuellement par les chefs d'État. Mais aussi par rapport à ce contexte, avant les titres du journal, j'essaie de faire une petite analyse par rapport au problème justement de la terre pour la paix. J'ai dit il y a trois ensembles de facteurs. Le premier facteur est lié aux actions de l'antisioniste pour essayer de changer la carte géographique et démographique et d'essayer d'imposer un diktat sur les Palestiniens. Le deuxième, c'est arabe, malheureusement, donc avec
avec des normalisations irrationnelles, des empressements irrationnels. Donc quand on voit les quatre documents de normalisation, c'est un total dépassement de l'esprit et du texte de l'initiative arabe de paix de 2002. Donc, quand on parle aujourd'hui de ces pays qui ont normalisé, c'est pratiquement plus du quart des pays arabes qui ont suivi le chemin de la normalisation sans pour autant prendre en compte les intérêts des Palestiniens. Et aujourd'hui aussi, Madame Souley, quand on lit les normalisations, les accords d'Abraham, l'accord d'Abraham c'est la coexistence des religions, donc trouver une place pour l'antisionisme dans la région, c'est l'esprit du moyen-orientalisme de Pérez de 1994. Donc ce qui est, c'est pratiquement redéfinir les contours du monde arabe. Ne plus en parler, on parle plutôt du MENA, du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sans pour autant parler du monde arabe pour justement trouver une place de choix à cette entité. Mais aussi ces normalisations, quoi, il faut les lire dans le texte qui définissait la logique des normalisations, qui a été produite par Jared Kushner, qui était le parrain de ces normalisations, un texte de 181 pages, Madame Souila, et j'espère que beaucoup d'entre nous le liront, parce que c'est un document qui vise la liquidation de la question palestinienne, mais aussi qui vise la liquidation de cet esprit d'unité interarabe. Troisième point, c'est le parrainage international du processus des dialogues pour la paix, parrainé par le Quartier, donc notamment les États-Unis, qui sont un acteur partiel, totalement solidaire avec l'antisioniste. Il faut dire déjà que le décret exécutif datant du 6 décembre 2017, qui reconnaissait Jérusalem comme capitale de l'entité sioniste, et que Reagan avait initié en 1984, mais n'a jamais pu, aucune administration américaine n'a pu le développer. Aujourd'hui, il crée aussi un véritable défi pour justement cette paix, parce que sans Jérusalem, il n'y aurait pas de paix ni d'État palestinien. Mais par rapport à cette question de la paix, nouvelle étape qui s'ouvre aujourd'hui pour les Palestiniens avec cet accord interpalestinien, puisqu'il va conduire à terme à l'organisation des élections législatives et présidentielles. Oui, exactement. Donc, comme je disais, il y a déjà deux paliers en matière de renouvellement des instances, en commençant par l'OLP. Il faut le dire, madame, pour l'histoire, lors du premier sommet, du sommet plutôt du Caire de 1964, c'était Feu Ahmed Ben Bella qui avait proposé la création du Front Libération National Palestinien, qui devient en 1965 l'OLP. Mais c'est aussi à Alger en 1973 que Feu Boumediene avait demandé aux pays arabes de reconnaître l'OLP comme seul représentant légitime du peuple palestinien. Il faut dire aussi que pour l'histoire, c'était à Alger que le Conseil national palestinien avait proclamé l'État palestinien en 1988. En 2005, c'était aussi la volonté de revisiter le plan de paix de 2002, mais aussi un soutien indéfectible à la question palestinienne. Aujourd'hui, là, le renouvellement des instances veut dire essentiellement aussi, non pas construction de confiance, mais plutôt la consolidation de confiance par des choix démocratiques. Malheureusement, on a vu des problèmes depuis 2006, et même un niveau de conflictualité et de violence en 2007. Aujourd'hui, avec 15 ans de fracture et de division, espérons que nos frères palestiniens ont retenu le leçon de leur faiblesse par leur division. Alors justement, d'autres aussi conflits ont été abordés durant ce sommet qui vont être portés aussi à l'attention des chefs d'État, dont le sommet va s'ouvrir bien sûr le mardi et le mercredi dans deux jours. Hein. Alors nous avons la religion, nous avons la langue, nous avons aussi la culture, nous avons aussi la proximité, des avantages à faire valoir aujourd'hui pour nous unir, puisque tout nous unit au lieu de nous désunir. Madame, dans notre monde... Parce qu'il y a la proximité du monde arabe, on est l'un devant l'autre, pratiquement. Même en Europe, ils sont l'un devant l'autre. Même mais ils si, sont pas même, en conflit. Même s'il y a des diversités de langues, de cultures, de religions et d'autres, mais il y a cette communauté d'intérêts.
qu'il faut faire prévaloir. Il faut faire prévaloir, il faut que ça se construise. L'Union européenne, c'est depuis 1953, avec ce qu'on appelle la déclaration Schuman-Adenauer, donc c'est l'Allemagne et la France, et puis la création de la CECA. Cette commission économique de l'acier et du charbon, mais aussi l'accord de 1957 avait jeté les jalons pour une communauté économique et commerciale. Le Brexit, c'est le même principe. En 92, c'était une volonté de créer une unification politique qui est totalement un échec, avec le rejet des populations irlandaises, danoises, notamment des projets de constitution européenne, mais aussi leur échec en matière de construction de communautés de sécurité et de défense. Pour nous, on a un socle identitaire commun, mais on doit aussi créer un socle utilitaire commun. Ce socle utilitaire commun doit se faire essentiellement en capitalisant sur nos ressources. On a 40% de ressources fossiles dans notre région. On a pétrole et gaz. Premier fournisseur du monde, c'est l'Arabie Saoudite. Absolument, mais on a aussi des réserves financières, c'est important, mais avec un taux d'investissement dans le monde arabe inférieur à 10%. Donc L'Algérie, les échanges n'ont pas excédé en 12 ans les 4,7 milliards de dollars. Avec les 22 pays, même la structure des produits n'est pas vraiment aussi diversifiée. Donc pour arriver à cette unification, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait un engagement pour la création de cette communauté d'intérêts, mais aussi des réformes de la Ligue arabe pour qu'elle arrive justement à s'adapter à ces mutations. Mais pour construire justement cette communauté d'intérêts, est-ce qu'il va falloir aussi revoir l'approche, puisque nous avons vu l'Algérie qui a présidé la réunion du Conseil économique et social a insisté sur la nécessité d'aller vers une convergence de points de vue sur le commerce qui va de pair avec l'investissement. Absolument. L'un ne va pas sans l'autre. Absolument. Pour commercer, il faut investir aussi. Il faut aussi investir. Et il y a des fonds. Il y a beaucoup de fonds, c'est des centaines de milliards de fonds souverains, mais qui sont investis ailleurs, dans le sport, dans le cinéma, dans d'autres secteurs. Il faut favoriser l'inter-arabe. Mais même en matière de production agricole, quelques pays favorisent des concessions en Amérique latine ou en Asie. Donc il y a des opportunités aussi pour investir dans la sécurité alimentaire collective, dans des pays. Bon, le Soudan qui a été perçu comme ce couffin alimentaire arabe n'est plus. C'est l'avant-dernier pays dans le monde en matière de sa propre sécurité alimentaire, vu ces véhicules crises qu'il est en train de vivre. Mais il faut aussi arriver à créer des projets structurants pour cette interdépendance arabe. Alors, la sécurité alimentaire, c'est devenu une question prioritaire aujourd'hui, monsieur Berkouk. Elle est toujours. Donc, la sécurité alimentaire. Nous avons vu que dans certains pays arabes, et ça a été soulevé également par la réunion des experts de la Ligue arabe, qu'il y a des pays malheureusement, qui meurt de faim, le Yémen, Somalie. La Somalie qui risque d'être confrontée à la faim aussi. Mais il faut dire aussi qu'avec cette flambée des prix et des problèmes aussi d'approvisionnement, on a vu des rapports, notamment allemands, qui donnaient quelques États qui seraient confrontés à des crises potentielles. On parlait de l'Égypte, de la Tunisie, de la Jordanie, du Liban, qui importent plus de 60% de leur consommation. Mais aujourd'hui, avec la décision prise par la Russie hier de suspendre la coopération en matière du commerce des céréales, il y a un risque de retour aussi à cette crise. Mais il faut dire, madame, aujourd'hui, et quand on lit l'index de la faim mondiale, le dernier pays au monde
en matière de sécurité alimentaire, c'est le Yémen. Donc c'est le premier en matière d'insécurité alimentaire, suivi du Soudan, mais on voit aussi un certain nombre de pays qui sont pratiquement sur le fil rouge des faims. Ces crises sont liées à quatre ensembles de facteurs. Le premier, c'est les insécurités. Sur plusieurs dimensions, il faut dire, Madame Souhiré, qu'avant 2011, le premier pays à avoir atteint la sécurité céréalière, c'était la Syrie. Totale autosuffisance, aujourd'hui, c'est un pays qui souffre dans le deuxième point. Deuxième ensemble, c'est les crises en continu, on voit le cas du Soudan. Troisième, c'est l'argent. Et le quatrième point, c'est les technologies avec des niveaux de productivité assez faibles comparativement à d'autres situations. Alors, M. Mohamed Barrou, je voudrais revenir aussi avec vous, bien sûr, sur les points qui ont été abordés durant ce sommet. Plusieurs points, on ne pourra pas tous les aborder un par un. Bien sûr, il y a plusieurs aussi résolutions qui vont être portées à l'attention des chefs d'État à partir de mardi, les questions sur lesquelles il n'y a pas eu de convergence de points de vue pour que les questions soient définitivement tranchées, même si elles sont en cours de discussion encore au niveau de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui va reprendre aujourd'hui au niveau du CIC à partir de midi. Mais est-ce que, par exemple, par rapport aux différents conflits, il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers des mécanismes qui pourraient contribuer au règlement des conflits entre les pays C'est un véritable problème. C'est un problème qui lie aussi à la question des réformes. Certains disent Ittifaq al-Arab wa Allah Ittifaq. Est-ce que cette date est révolue aujourd'hui? C'est pas une fatalité, madame. Mais est-ce qu'il est révolu ou il doit être révolu? Non, il y a des divergences certainement, mais des divergences qui doivent être résolues dans cet esprit justement du panarabisme entre guillemets. C'est pas un panarabisme idéologique, mais que je conçois comme utilitaire. Parce que l'utilité de la Ligue arabe doit se faire dans une logique d'intérêt. Pour y arriver, la réforme de la Ligue arabe doit aussi comprendre deux choses. La première, c'est un instrument d'anticipation. Il faut qu'il y ait ce système de veille, justement pour anticiper les crises en matière d'approche préemptive. Deuxième, c'est aussi des instruments de résolution. À l'échelle mondiale, on a ce comité des sages. L'Union africaine a cet instrument justement pour essayer de trouver des terrains d'entente entre les pays. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mécanismes de résolution des conflits. La Libye, la Syrie et le Yémen, c'est pas la Ligue arabe qui est en train de les résoudre, contrairement à notre souhait, mais c'est la Ligue arabe qui avait créé ces problèmes. Pour donner à nos auditeurs juste des indices, le 12 mars 2011, c'était la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui avait transféré le dossier de la Libye, de la Ligue arabe au Conseil de sécurité. Cinq jours plus tard, c'était la résolution 1973. Deux jours plus tard, c'était les attaques de Sarkozy sur la Libye. Il faut dire aussi que la question syrienne a été internationalisée avec deux décisions du sommet de la Ligue arabe de 2013. Qui avait écarté l'État syrien, reconnaissance de cette coordination des factions syriennes, mais aussi la décision d'armer l'armée syrienne libre. Troisièmement, c'est le Yémen. Le Yémen, c'était aussi la Ligue arabe qui avait décidé de créer une force arabe, justement pour s'immiscer dans les affaires intérieures. Aujourd'hui, l'histoire nous enseigne qu'au lieu d'internationaliser, il faudrait plutôt essayer de trouver des solutions internes à cette région. Alors, les positions de la non-ingérence dans les affaires internes des États, réitérées hier encore une fois par notre ministre des Affaires étrangères, M. Lamtane Lamamra, saluées fortement par les pays arabes qui sont présents à ce sommet, les 22, à l'exception bien sûr de la Syrie. C'est bien sûr d'un commun
accord. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Monsieur Mohand Belkhour, que la crise géopolitique actuelle a rapproché les points de vue, puisqu'on voit aujourd'hui, il y a de la résistance de l'Arabie Saoudite contre, bien sûr, le forcing des États-Unis d'augmenter sa production pétrolière et le refus de certains États arabes, comme par exemple le Qatar, de financer la guerre contre l'Ukraine. Bon, madame, ou de s'impliquer dans la guerre contre l'Ukraine, ce qu'on appelle l'OTAN bis. Mais madame, c'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est, parmi ces pays, il y a un pays qui est considéré comme le premier, la première destination des armes américaines. Le deuxième est un allié majeur des États-Unis. Donc il faut essayer d'être quelque part objectif dans l'analyse, parce que la question de l'Arabie Saoudite, le pétrole, doit être aussi peut-être perçu de trois angles. Un angle saoudien, parce qu'il y a des projets de développement qui nécessitent beaucoup d'investissements. Donc un prix raisonnable est un prix qui va capitaliser ces fonds souverains, mais aussi qui va devenir des investissements importants. Deuxièmement, c'est dans le contexte disons des élections américaines à venir, parce qu'aujourd'hui même Biden est en train de tirer profit de sa décision et de l'OPEP+. Troisièmement, et aussi le monde est en mutation, et tous les pays essaient de faire leurs analyses et de définir leur choix de politique étrangère. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une volonté aussi de s'aborder le sommet d'Alger pour éviter cette réunification des rangs arabes, puisque nous avons vu et entendu tous ensemble la déclaration de notre ambassadeur permanent au niveau des Nations Unies, M. Larbaoui? Bon, madame, l'unification des rangs des pays arabes dérange, parce que ça... Le projet de l'Algérie dérange. Oui, bien sûr qu'il dérange. Créer un front commun contre des défis communs... Mais les fronts existent. Vous avez le BRICS, les pays du BRICS. Vous avez en face l'Union européenne. Et vous avez aussi la communauté des États-Unis. Non, je parle d'un front commun contre des défis communs. Les défis communs aujourd'hui... Et les menaces communes aussi. Bien, absolument. Donc, arriver à créer une stratégie d'action commune... Parce qu'il y a une volonté de balkaniser le monde arabe. Ça, et c'est déjà balkanisé, donc depuis très longtemps. Dans sa globalité, reste mais l'Algérie qui a été la première cible, justement, de ces stratégies de déstabilisation à partir de 1988. Après, bien sûr, la création de l'État palestinien en Algérie. Alors, autre question, Monsieur Belkhour, par rapport à cette question de la sécurité alimentaire, elle va de pair, bien sûr, avec le trio sécurité énergétique et sécurité aussi sanitaire, puisque nous avons vu que pendant cette pandémie du Covid-19, personne n'a aidé les pays arabes. Bon, c'est ce qu'on appelle en relation internationale, le nexus de la sécurité. Donc, cette triptyque, les pays arabes ont, des réserves importantes en matière énergétique. Ils ont un déficit en matière hydrique. C'est la région la plus vulnérable en matière de sécurité hydrique. Donc, beaucoup de pays vivent cette situation. Troisième point. En matière de sécurité alimentaire, je disais qu'il y a un gap alimentaire assez grave, et ce qui nécessite à la fois des décisions politiques à l'intérieur, mais aussi des convergences en matière de choix stratégiques sur le plan de la région arabe. Alors, 2005, le sommet d'Alger avait initié bien sûr les réformes de la Ligue arabe. On s'en souvient tous aujourd'hui. Une réforme qui est aujourd'hui remise au goût du jour, puisque certains amendements ont été aussi introduits à l'initiative de l'Algérie au niveau de ce sommet. Alors, pour plus d'efficacité et d'efficience, il faut absolument aller vers cette réforme, puisqu'en 2005, déjà, il y a eu la création du Parlement arabe et la Cour arabe. Il faut faire plus aujourd'hui. Il faut faire plus déjà. Envisager aussi une présidence tournante au niveau de tous les États. La rotation du secrétaire général. Voilà, la rotation du secrétaire général. Cette question est exclue au départ. C'est un point de divergence, c'est un point de blocage en matière de réforme. Mais il faut dire, Madame Souley, qu'il y a quatre groupes de travail qui travaillent depuis 2016 sur les réformes. On verra peut-être dans la déclaration finale déjà la création d'un réseau arabe de la société civile,
parce que dans toutes les déclarations depuis 2005, il y a cette insistance de notre pays par rapport à la participation de la société civile. Cette réforme s'impose aujourd'hui avec le contexte absolument, politique actuel absolument. Et les menaces actuelles. Absolument. Il y a un dicton malais qui dit « stagnation » veut dire la fin d'existence. Donc si la Ligue arabe n'arrive pas à s'adapter à ces contextes, elle risque pratiquement de devenir inutile. Alors, l'unification des rangs palestiniens, l'unification des rangs libyens, c'est aussi important. Très important. Je crois que pour la Libye, M. le Président de la République l'a déjà déclaré, 2023 sera, Inch'Allah, l'année de la résolution du problème libyen. Monsieur Mohamed Berkouk, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.